Salut messieurs, dames, aujourd'hui je vous emmène en résidence. Qu'est-ce que ça veut dire une résidence? Ça veut dire que, comme vous le savez peut-être si vous suivez cette chaîne, je sors mon album dans quelques mois et je prépare le spectacle. Pour préparer un spectacle, comment on fait? Ben on répète, ça fait 2 ou 3 mois qu'on répète avec les musiciens, avec mon pote Élie et mon pote Romain. Sauf qu'à un moment donné, les répétitions dans une salle de répète, ça suffit plus. Il faut aller dans une vraie salle, sur une vraie scène, pour caler les lumières, caler le son, etc. Là on part pour 3 jours en résidence, je vous emmène avec moi, c'est parti. Là, tu vois, c'est que je disais à Max tout à l'heure que j'ai accompagné beaucoup de gens dans ma vie sur scène, mais moi je suis là et là quoi. Et là, tiens, viens voir, je vais vous montrer ce qu'on voit. Donc, toi, tu vois le chanteur qui est là, t'es dans ton coin, tranquille, t'accompagnes. Mais quand t'es là, et du coup, c'est ça qui fait flipper quand t'es lead, c'est que tu vois pas tes potes, ils sont derrière toi. Ça, c'est nouveau pour moi. J'ai dû faire un baluche par là. Mais pas de spectacle, j'ai pas souvenir de la salle, c'est le parking et l'endroit qui m'a parlé. J'ai dû faire un bal par là parce que j'ai pas souvenir de concert ici. C'est les balles ça, on va faire un baquet. Ouais, est-ce mais que c'est pas mal. Alors je suis pas de la team assis, en fait je suis de la proposition différente sur les différents postes. Tu vois, t'as un poste debout ou t'es. Ouais, plein ouais pied. C'est clair. Quand tu vas aller au piano, du coup, peut-être un habillage, on verra, mais ouais. Et du coup, il ne fasse que ça de ton corps. Ouais. Et je trouve intéressant que des fois, le piano soit un peu plus bas, que tu sois un peu assis, et que yes. Du coup, une autre sensation. Après, c'est une question. Je comprends. Je trouve ça intéressant. C'est intéressant. Peut-être ça vaut le coup de faire un filage pour que tu vois quel style de truc joue au piano. Ouais, c'est ce que je demandais. Parce en que fait. Genre, on verra comment on l'habille après. Alors. Ouais, on l'habille en haut comme ça ou comme tu ça. Tu les joues un piano. Si vous voulez des petits cadeaux, comme ça, ça fait un peu faute. Ouais. Là, et ça me paraît, ça regardez quel. Bah oui, quoi d'autre. Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah moi, je vais être mieux là. Je vais être mieux. Je vais l'avoir dans mon champ de vision. Je verrais bien même un truc comme ça. Père Élie, qu'est-ce qui se passe alors? Un petit souci de lampe sur le Blues Junior, j'ai l'impression. Bah oui, hein. Oui, quand ça sert pas pendant un an, au bout d'un moment, ça se grippe. C'est ça, c'est la reprise, même pour les instruments. Du coup, il y a un problème de lampe. Pour ceux qui se demandent, qu'est-ce que c'est cette lampe là dont il parle? Eh bien, voilà, tu as 5 lampes derrière, n'est-ce pas? Ouais. Ah, on voit rien du tout là. Non, je l'ai éteint. Ah bah oui. Je l'ai éteint pour voir. Je vous montrerai, je mettrai des illustrations. Wow. Ça c'est du rock'n'roll. Ça c'est beau. Oh mais c'est fou ça, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais des étincelles comme ça? Pour des charges. Ah ouais? Ouais, il est chargé autrement. Il y a 400 volts dedans quand je le mets. Wouah!
On va mettre décharger, c'est tout le touche, c'est toi qui le décharge. Mais oui, oui. Ouais, faut faire gaffe à ce qu'on fait, quoi. R35. Ils vont changer leur numérotation. On obtient une jolie saturation. Oui, naturelle. Qu'on aimerait avoir. Oui. Mais quand on le décide. Voilà. On aimerait bien la ah maîtriser. Ouais, elle est bien crade celle-ci, elle est intéressante. Arrive. Magnifique. Et puis dès qu'on passe là en entrée de déphaseuse, on retourne de déphaseuse, bim. Ouais. On accroche. Oui, ça donc, c'est le problème. Pourquoi ça. Nous accrochons? Je pense que nous allons essayer de changer ce petit condensateur de 47 pif qui est l'anti-accrocheur entre 1 et 6. Bah, pardon, mais c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. On a un son. C'est le bien, mais je pense que c'est mon idée. Il n'y en a pas, je tends la main, mais je ne peux pas te toucher. J'étais loin d'en être conscient, il n'y a pas d'après, il n'y a pas d'avant. On voudrait bien tendre la main, finalement personne n'ose. Je suis Charlie, je suis Paris. Alors je vous souhaite d'être très heureux et je vous souhaite également une merveilleuse fin de soirée.